Je pense que toute ma carrière musicale, en fait, c'est le truc le plus fou que j'ai pu faire dans ma vie. Forcément, la cause du féminisme, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans ma musique comme ailleurs. Aussi, de parler beaucoup du sexisme intégré auquel on fait face tous les jours en tant que femme dans l'industrie. Donc, je pense que c'est important de continuer à éduquer les gens sur ce fabuleux sujet. Je l'imagine encore à métro. C'était quand j'ai vu City in Color toute seule à 15-16 ans. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et je l'ai vu tout seul avec une guitare à Montréal. Et je l'ai vu vraiment commander la foule, l'audience seule. Je me suis dit, ça c'est quand même assez cool. Cause I'm coming home. I'm coming home. Je pense que de rester auteur-compositrice-interprète, c'est une chose, mais de pouvoir influencer, donner la place à des artistes de la relève, c'est ce que je veux faire. Donc, je peux faire évoluer mon art d'une certaine façon, mais je pense que de donner au suivant, c'est primordial pour moi. Je pense que toute ma carrière musicale, en fait, c'est le truc le plus fou que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que déjà, de se lancer alors que j'avais pas du tout conscience de ce que c'était, bah, c'était pas mal, mais en plus c'était pas prévu. Donc, ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui je sais comment mettre mes limites et, et dire quand quelque chose ne va pas. Et nos histoires reprennent leurs ébats. Pour moi, le succès, c'est de savoir qu'il y a des gens qui se retrouvent dans mes histoires et que ça se partage et que ça continue à vivre de cette façon-là. Et je sens. Cœur s'étend.